Des cœurs. On dirait un ado d'accord. Ma mère est pétée. Ah, exactement. Comment ça, exactement? Et mais lui, qu'est-ce que tu fais avec ta capuche? Alors. Faut que je trie toutes les fringues. Ah, elle t'a mouché là. Tu la trouves pas? Et toi, tu l'as trouvé? Maman, tu sais que le matin, elle voit flou. Elle voit flou de fatigue, elle voit flou parce qu'elle a pas ses Une lunettes. peluche? Non, je Ah peux la oui. prendre? Oui, tu peux la prendre, oui. Je te suis, moi. Non, ça va. Arrête. Il y a une chaussette. Il y a des chaussettes. Et au lit? Je sais pas, Elle regarde. est devenue une chaussette, au lit? Oui, t'as raison, il y a plusieurs. Oui, bah excuse-moi, ça c'est ma chaussette. Ça c'est la mienne. Donc, non mais non, regarde Et ça, là. c'est la tienne. Oh là là. Là-haut, non mais. Pff. Ça c'est la mienne aussi. C'est la mienne. Mais au lit. On met pas les chaussettes sur les bouts des. Regarde, on voit même plus sa tête avec la déco. Oh, ma chaussette. Et ma Ta chaussette. chaussette. Ma Ma chaussette. chaussette. Ma chaussette. Donc elle a cru que c'était des décos de Noël. N'importe quoi. Qui pue les pieds? Tu crois que le sapin il va puer les pieds? Mais elles sont propres les chaussettes. Il va pas puer les pieds. Bon bah. Merci Oli pour la déco, d'avoir participé à la déco du sapin. Un peu serré les décos, hein? Ben, puis c'est pas très joli comme déco, on va pas se mentir. Ça va puer. Hein. Hello tout le monde! Regardez-moi ça. Il fait moins 6. Et comme hier on n'a pas eu de neige, qu'on a eu que de la pluie, enfin une petite pluie verglaçante, je vous raconte pas l'état de la route. Je pense que vous pouvez voir tout. Enfin, je sais pas si vous voyez le blanc. Hyper dangereux. Avec Arthur, on se tenait bien la main parce qu'on a failli tomber 10 000 fois sur le chemin. Parce que là, je suis sur le retour pour rentrer à la maison. Le temps est tout sec, tout froid pour le coup. Et ouais, j'ai encore failli tomber. Ça glisse plus, plus, plus. Je sais pas si vous voyez la route. Elle est blanche. J'aimerais pas être en voiture sur la route. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Là, pareil. Ouais, je sais pas si vous voyez, c'est blanc. Et impressionnant. Voilà, ça donne. Je vais marcher un peu dans la terre, tiens. Comme elle est toute sèche, c'est pas très grave. Mais ça fait flipper à quel point ça glisse. Ouais. Bref, je rentre chaud et on se retrouve pour l'ouverture des calendriers. Re-coucou, c'est parti pour l'ouverture des calendriers en ce jeudi 15 ou 16, attendez. 15 décembre, j'ai mon téléphone. Jeudi 15 décembre. Déjà, 10 jours avant Noël, donc 9 jours avant le réveillon. Donc 9 jours avant la fin des calendriers. Que ce soit bah, ceux qu'on ouvre le matin, le papeterie. Je suis à l'ouest. Broderie et d'épée. J'ai remis, à chaque fois que je mets. Alors ce que vous appelez le fard à paupières, mais je vais vous montrer après ce que c'est, parce qu'à chaque fois je me dis il faut que je vous montre, parce que j'ai tellement de commentaires en fait sur ce gel pailleté, parce que c'est un gel en fait à paillettes, parce qu'un fard à paupières pour faire juste des paillettes comme ça c'est un peu compliqué, donc c'est un gel. Je fais exprès à chaque fois d'en mettre un petit peu là et dans le coin, parce que ça fait un peu fête. Moi j'aime bien, ça me dérange pas en fait. Il y en a qui mettraient pas autant de paillettes pour en dehors des fêtes en fait. Mais moi les paillettes, je kiffe tellement ça, que surtout les paillettes dorées, que ça me dérange pas vraiment d'avoir un maquillage très lumineux comme ça, très estival, enfin estival, très fête quoi. Et du coup j'ai sorti là le tube, vous allez voir, c'est un truc que j'ai eu sur le site Bis, c'est un peu genre ouais, c'est une marque vraiment pas chère où tu trouves des trucs à quelques euros. Ils ont plein plein plein
de make-up vegan non testé sur les animaux et tout. Et là, c'est un petit gel pailleté et je pense qu'il va me faire une éternité parce que j'en mets à peine une micro-goutte sur mon doigt pour faire un œil. Mais même pas une noisette. Une micro-goutte que j'étale comme ça avec mon doigt. Et j'ai dû, je sais même pas combien c'était, mais vraiment, je sais pas, 2, 3 euros, 4 euros, je sais pas. Mais je l'ai sorti là pour vous le montrer parce que je sais que j'ai pas mal de demandes. À chaque fois, on me demande ben, quelle est cette diablerie. Donc, je l'ai sorti, mais je suis complètement fan. Voilà. Bref, je pourrais mettre ça tous les jours. J'essaie de pas le mettre tous les jours parce que je veux pas l'user trop vite, même si je vous dis que ça va me durer longtemps. Mais je suis complètement fan. Allez, c'est parti. Je vous montre juste après, du coup. Et ce matin, j'ai live, donc faut pas que je traîne. C'est parti. Ikea, c'est le premier qui est venu. Donc, on est le 15. Du coup, ça va. Pas de spoil hier de la part d'Arthur. Hop. Est-ce que ça va être une nouveauté ou pas? Est-ce que je vais y arriver? Oh oui, c'est une nouveauté. Oh, trop bien. Alors, attendez. Le fond, oh, on dirait que c'est un coloriage à l'intérieur. Je le garderai peut-être. Petit damier comme ça de chocolat blanc. Hop. Très mignon. Et truffe au cappuccino. Bon, ça je sais déjà que Arthur, je ne pense pas qu'il va aimer. Et ah si, Arnaud peut aimer. Arnaud peut aimer. Oui, ça va pas être, enfin c'est pas son truc, mais je pense qu'il peut aimer. Donc au pire, il mangera celui d'Arthur. Ah, ça sent. Ça sent un peu le mélange café-chocolat. Ça sent vraiment ça. Ça sent bon. Haribo ! Il fout le bordel, je sais pas. Il est surexcité, je sais pas ce qu'il a. Ça y est, Haribo passe par la chatière. Pour ceux qui ont suivi l'aventure, nous avons mis au mois d'octobre. Oh, je sais plus. Fin octobre, je crois, on a mis en place une chatière Haribo ! Ah non, c'est bon, il est sur le carton. Nous avons mis... Je croyais qu'il griffait le canapé, en fait. Nous avons mis en place une chatière dans la porte-fenêtre de la cuisine. Il a mis un mois et demi à passer dedans pour la première fois. En sachant qu'on a tout essayé. On a essayé, on lui a montré plusieurs fois, en le passant comme ça. Il comprenait bien que c'était avec sa tête, hein. En mettant sa pâte comme ça. On essayait de la pâter de chaque côté avec des croquettes, des machins et tout. Il n'y a rien à faire. Bon, il a 10 ans, donc il a toujours fait 100. Mais le problème, c'est qu'il demande 10 000 fois par jour à rentrer et sortir. C'est-à-dire que littéralement, il mange 3 croquettes, il demande à sortir. Il fait un tour, allez, je vous mens pas, 1 minute 30, je n'exagère pas. Il regrette pour rentrer. Et puis de base, on l'a mis surtout parce que les parents d'Arnaud, pour mon anniversaire, nous avaient réservé un week-end à Lyon. Et du coup, les chiens avaient été chez ma sœur, donc ils n'étaient pas tout seuls, bien sûr. Et Haribo, on lui avait mis donc sa petite gamelle de nourriture et d'eau à l'extérieur. Et je surveille ce qu'il fait. Et du coup, on voulait quand même qu'il puisse rentrer dans la maison comme il veut. Et on avait mis la chatière, sauf que bah, elle n'a servi à rien. Ce week-end-là, il est resté tout le week-end dehors, ce qui n'est pas très très grave. Puisqu'il n'est jamais rentré. Et on l'avait mis à l'avance, hein, on l'avait mis plusieurs jours à l'avance pour justement... dans l'optique qu'il s'habitue, qu'il mette 3-4 jours à s'habituer, et voilà. Sauf qu'il a mis un mois et demi. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. La nuit, il fait sa vie, il rentre, il sort. Alors, des fois, il reste 10 minutes devant la porte, devant la chatière. La porte de la chatière est transparente, hein. Comme ça, il peut nous voir et tout. On a choisi esprit une transparente pour pas que ça le traumatise trop. Des fois, il reste comme ça devant. Et puis, il espère encore des fois que tu lui ouvres la porte. Et du coup, tu t'amènes vers lui et tu fais « Allez, zouzou !» Et juste en le boostant un petit peu avec la voix, hop, il passe. C'est un petit précieux, Haribo. Alors, numéro 15. Je sais pas ce qu'il fait. Il s'est couché sur le carton. Les chats, ils ont plein de trucs. Ils ont des canapés. Nous, les paniettes, on a abandonné pour Haribo parce qu'il n'y allait jamais. Mais il y a le canapé, le lit, et non, il se met sur un carton. Les chats et les cartons, grande passion. Alors, Kinder Mini. Mais c'est parce qu'on a eu hier, déjà. Ah non, on a eu le Bueno hier. Attends, je sais plus. Oui, peut-être. Je sais plus. Bon, franchement... Bon, de toute façon, il n'y a pas 10 000 choix. Hein. C'est Bueno, le cœur, le chocobon ou le mini. Et il n'y a que dans la grosse case qu'il y a un truc qui va me plaire. Forcément, il n'y en a qu'un. Et c'est un grand format, donc je peux pas le louper. C'est écrit derrière. Je vais essayer de pas vous spoiler, si vous voulez, mais... Et j'ai très hâte. J'ai très, très hâte.
Allez, c'est la papeterie aujourd'hui. C'est jour de fête. Non, c'est la broderie, pardon. Broderie, jour de fête. Oh, ça commence à devenir très léger. Oh, merci. Je suis sortie de la crève. Attendez, je touche du bois parce que... Enfin, je sors doucement de la crève. J'en avais marre. J'ai enchaîné deux crèves coup sur coup. Plus, bah, avant mes deux crèves, le blocage des épaules et du dos et tout. J'en ai ras le cul. Il y a eu la gastro juste avant le dos. C'est bon. Enfin, la gastro, bah, la... Oui, mon espèce de gastro qui a duré un week-end. Quoi. Alors, nous sommes le 15. 17. 19. 15. Oh, il reste tellement peu de petits cadeaux. Oh là là. Ça fait trop bizarre. Ça passe tellement vite. Allez, c'est parti. Oh, ça a l'air d'être un écheveau. Échevette, Philippe Échevette. Bien sûr, le plus célèbre des cuisiniers. Alors. J'adore le fil. Le fil, l'étoile. Alors, ouvrons ça. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Je suis assez forte pour deviner. Vous avez vu celui-là, en tout cas. Parce que la papeterie, ça peut être plus vaste. Mais... Je crois que je me trompe très très peu, ou alors je me suis peut-être même pas trompée du tout depuis le début pour la broderie, je sais pas. Ah bah je me suis trompée, voilà. Je me suis trompée. Ah oui, c'est vrai qu'au toucher on aurait pu croire un écheveau, mais non, c'est un ruban. J'étais tellement pas. Alors il est très joli. Je vais vous montrer. Bon là il est enroulé, je vais pas le dérouler, mais regardez. Voilà. Donc ça, on peut s'en servir pour inclure dans des projets de point de croix, en les collant soit pour faire un cadre autour ou en les cousant. Par contre, alors, la couleur est magnifique. Hein. Mais c'est littéralement le rose que je n'aime pas. J'aime pas le rose, en fait, de base, c'est pour ça. J'aime pas le rose, donc c'est un peu compliqué. Et donc je vais le garder. Est-ce qu'un jour, je trouverai un projet dans lequel l'inclure, parce qu'il est magnifique, hein, vous voyez ce côté brillant, ça fait un peu une guirlande au milieu, une guirlande, vous savez, lumineuse en fait, de Noël. Et puis le côté un peu transparent en haut et en bas, c'est-à-dire qu'il est magnifique. Si vous aimez le rose et les jolis rubans, là vous allez craquer. Moi, malheureusement, je suis pas du tout fan du rose, c'est pas du tout une couleur que j'affectionne. Il y a certains roses où ça passe, comme le vieux rose par exemple, mais là ça fait un peu rose Barbie, rose poupée. Mais le ruban est magnifique, hein. Là la caméra capte bien la luminosité et tout, il est très très beau, donc je vais le garder bien évidemment, et est-ce qu'un jour j'arriverai à l'inclure dans un projet, on verra. Voilà, on a déjà fini. On passe trop vite. Bon, ce matin en live je vais attaquer la case broderie que je n'ai pas attaquée hier soir après minuit. On a fini le live à minuit à peu près et j'ai enchaîné sur ma case d'épée, donc ma case d'épée est faite. En sachant qu'hier soir, on a fait aussi la case d'épée du jour 14. Et après minuit, après le live, j'ai fait la case d'épée du jour 15. Donc ça, c'est fait. La broderie, donc on va l'attaquer ce matin en live. Et si vous voyez ce vlog, vous le verrez à partir du lendemain. Poussière d'étoile a réouvert sa boutique. Si tout va bien, normalement, elle a réouvre. Donc ce matin, pour moi, à 10h du matin, avec 3 ou 4 nouveautés. Et après, tout le reste de sa boutique, ses anciens aimants, enfin la papeterie, etc. Et elle referme mardi pour 10 jours de vacances. Donc, je vous fais passer le mot au cas où. Sachez que sa boutique est ouverte pour l'instant jusqu'à mardi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et mardi, elle referme jusqu'au 31 pour ses petits congés d'hiver. Et le 31 décembre, elle réouvre. Et à partir de 17h, les box surprise du mois de janvier seront en vente, donc la box aimant aiguille, la box papeterie et la box broderie. Voilà, et moi je vais recevoir donc la box broderie et la box aimant aiguille que l'on se découvrira courant janvier en live sur Twitch comme d'habitude. Voilà, bref, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure, sûrement ce midi après le live quand j'irai chercher Arthur à l'école. Bisous, à tout à l'heure. J'ai oublié le daman. Je commence à tout réunir et tout là, et je dis, le daman.
On n'a pas ouvert. Monté, il est où monté pour tout à l'heure? Mais est-ce que. Non, mais. Je crois que la fatigue, elle commence à monter au cerveau. Oui, couché à plus de 3h du matin encore. Mais ça va, ce matin, je me sens pas trop fatiguée. Je vais peut-être avoir le coup de barre dans la journée, mais bref. Donc le thé, qu'est-ce qu'on va déguster tout à l'heure à la clôture du vlog? C'est très important quand même, c'est notre petit rituel. Il est là. Et là, je suis sûre que vous aviez commencé à m'écrire un commentaire. Angélique, t'as oublié le thé. C'est bon, m'en suis rappelée tout de suite. Aïe, me disais, c'est bizarre, je me disais, elle est passée vite l'ouverture du calendrier quand même. Oh, je crois qu'on connaît et je suis très contente. Alors je me souviens plus les goûts, et c'est pas écrit derrière. C'est la tisane de Noël, toujours dans ces sachets verts sublimes. Oh, j'adore ces sachets-là. Et la tisane de Noël, alors si on regarde à l'arrière, dans les thés, comme ça je ne me spoil pas. Tisane de Noël. Cannelle. Déjà c'est bon, tu m'as vendu le truc. Mélisse, fève de cacao, cardamome, réglisse, gingembre, baie rose, arôme chocolat, clou de girofle, pétale de fleur, poivre noir. Contient de la réglisse, les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. C'est bien que ça soit rajouté dans la liste des ingrédients. Alors, à part le gingembre, mais vu tout ce qu'il y a autour, je sais que ça va passer tout seul. Et le clou de girofle, dont je ne suis pas fan, mais pareil, avec tout ce qu'il y a autour, je pense que ça va passer sans souci. Je suis très contente. Là, je suis surexcitée. Je ne sais plus, je pense qu'on l'avait déjà eu. Hein. Mais je ne sais plus du tout son goût. On verra tout à l'heure. J'essaie de sentir, voir si on sentait à travers. On verra tout à l'heure, mais ça peut vraiment beaucoup me plaire. Est-ce que je vais avoir un autre coup de cœur? Pour l'instant, mon coup de cœur, c'est le Pantone. Est-ce que je vais avoir un autre coup de cœur durant ce mois de décembre? On verra. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse vraiment et je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou! Il est 58. On entend les cloches de l'église. Je suis pas loin de l'école, mais je suis un peu à la bourre. J'ai failli me péter la gueule en bas des escaliers en commençant à faire un vocal à ma petite bûchette pour lui dire que je partais justement chercher Arthur. Et là, mon pied, il a fait vloup. J'ai rattrapé mon téléphone et je ne suis pas tombée. Je ne sais pas comment c'est possible. Je suis vivante. Voilà. Vivante et entière. Il fait 0 ressenti moins 4. Très 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 froid. Souvent, le midi, je ressens plus le froid que le matin. Donc là, j'ai très froid. Encore plus que ce matin, mais je suis bien équipée. Et toujours ce paysage tout sec, tout froid. Le vélo-route, donc mon petit chemin là, n'est plus glissant. Par contre, la route sur le goudron, c'est très glissant encore. Je vais me péter la gueule plusieurs fois. Et voilà. Mais vraiment, au pied des escaliers, ça a été la catastrophe. J'ai cru que j'ai vu ma vie défiler. Bref, allez, je vous laisse parce que je vais pas être... Je vais être en retard en fait, voilà. Le live de ce matin s'est bien passé. Sabine a encore eu plein de commandes à l'ouverture de sa boutique. Les 4 nouveaux aimants sont magnifiques. J'ai pas craqué parce que j'ai pas les moyens. Et voilà, je vous ai résumé le truc et je vous dis à ce midi pour l'ouverture des calendriers d'Arthur. Salut. Je suis douée, hein. Oui, c'est un ballon de beauté. Pas sur ma plante, chérie, parce que ça va le faire péter. Allez, monte ton épi. Voilà, la touffe. Épi de blé. Regardez bien, puisque normalement samedi, si on arrive à avoir un petit créneau chez le coiffeur sans rendez-vous. Aïe. C'est 15 aujourd'hui. Oui. Il aura les cheveux tout courts. J'attendais le dernier moment pour qu'il les ait courts pour les fêtes, en fait. C'est quoi? Tu peux voir? S'il te plaît. Toi, tu peux pas voir, mais le camarade, oui. Mais pourquoi? Tu vas le voir quand tu feras le montage. Alors, vas-y, je joue le jeu. Faut pas que tu mettes trop près, mais bien en face du rond noir. C'est bon? Oui. Allez, tu peux cacher. Pourquoi tu veux pas que je vois, d'ailleurs? Je peux le manger, moi, ou pas? Non. Ben, ça sert à quoi que je puisse le voir? Bon, je verrai au montage, alors. Ensuite. Oh là. Ouloulou. Je vais recommencer à tousser, vous allez voir. On te voit plus. Non, vas-y, je veux voir ce que tu as. Tu te trompes pas, hein? J'ai mes fesses. Tu le drapeau. T'as dit, un nouveau rouleau. Montre. J'ai même pas m'en fait prendre. Ben oui, mais ça te fait beaucoup de bonbons d'avance. T'en as dans la boîte là-bas, t'en as dans la cuisine. Après. Le tour de magie. Toi-même. Ça serait bien qu'on en refasse un, là. Parce que les derniers sont pas fifous.
On attend d'en avoir vraiment un sympa, sympa à faire. Oh, regardez, il était comme ça. Alors, numéro 15. Hein. Ouais. Ok. Oh, j'en ai marre. Attends, je te le tiens. Vas-y. La case, elle est vide. Peut-être la case de ton magie. Mais non, mais elle est pas vide. Si, si je vous le dis. Pourtant, ça peut pas passer dans une autre case parce qu'on voit qu'il y a bien les... Mets quand même ta main dedans. Mais non, c'est les cartes. Regarde, c'est des cartes. Ah mince. Mais attends. Attention. Tiens, montre. Oula. Ce sont des petites cartes. Des cartes à jouer. On va voir le tour. Il a depuis le pile et en plus, il est passé à la machine à laver. Regardez. C'est que des 7. Du coup, il y a plus le Tamagotchi dessus. Ah bah oui, ça. Si tu oublies d'enlever des poches, c'est que moi, j'ai pas fait attention. C'est que des 7 et 8, je crois. Ah, et des 9. 7, 8, 9. Ok, bon, on regardera le tour après. Ça peut être sympa, je pense, celui-là. On va voir. Ouais, on va faire une grosse bulle, là. T'as pris un chewing-gum ? C'est une vitamine. Ah, oui, mais bon, comme tu m'as dit, est-ce que je peux prendre un bonbon ? Je m'attendais à ce que t'aies un bonbon dans la bouche, quoi, pas un chewing-gum. Numéro 15. Ouvre pas le 16, par contre. C'est quoi, 16 ? 16, n'ouvre pas le numéro 16. C'est bien le 15. C'est 16 que j'ai ouvert. Kinder Mini. Mini rose. Ouais. Oh là là. Oh. Eh ben, je vais pas y arriver. J'en ai marre, c'est calendrier de crotte. Et... Ah bah l'année prochaine, du coup, zéro calendrier. Ah non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai trop peur maintenant que tu spoiles. Ça va être trop bon. Sens-le déjà, qu'est-ce qui t'inspire quand tu vas le sentir? Il est beau en tout cas. Ah, je vois du caramel. Non, il n'y a pas de caramel. Il y a du nougat. Non, sens déjà. Miel. Ah, tu trouves que ça sent le miel? Bah, tu peux goûter, tu verras. Non, on va faire regarder. Oh, t'es pas joueur, tu pourrais goûter. Truffe au cappuccino. Cappuccino. J'aime pas. Tu sais pas, t'as jamais goûté? Chez mamie. Ça m'étonnerait ça. Bah, pose-le dans là-bas. Soit papa ou soit moi, on le mangera. Oh, moi, je suis là. Moi, j'ai hâte de revoir des sablés. Ah, papa m'appelle. Oh, je vais décrocher. Recoucou, ça y est, coup de téléphone terminé. Alors. J'ai même pas ouvert le elle machin. Est énorme. Je crois que c'est la plus grosse du calendrier, non. La 5 était grosse. Ah oui, c'était l'autre là-bas. Ouais, je pense que c'est un décor de ce truc-là. Ah, c'est le cadeau que j'ai vu à l'arrière. Il y a encore. C'est quoi? Alors, doucement. Ah, c'est encore collé. Ça, c'est chiant. C'est mal. Ils ont mal foutu ça. Fichu ça, pardon. Fichu? Tiens-le. Foutu. Tiens-le, le calendrier, chérie, par contre. Il faut enlever le scotch, là. Voilà, c'est bon. C'est quoi? Un sticker. Se manger. Ah, c'est une couronne de Noël en stickers. Et t'as eu d'autres stickers avec. Je crois que c'est pour décorer la couronne. Autocollant, je préfère. Ouais. Bah, c'est autocollant. En fait. Tiens, tu peux le mettre. Non, pose-le là déjà pour l'instant. Et regarde ce que t'as eu avec, je veux voir. C'est des autocollants encore. Mais montre, je veux voir. C'est pour coller, pour décorer ta couronne. Montre. Ouais, c'est ça. Tu mets des petits nœuds sur ta couronne. Et. Et ça là, tu l'avais pas collé. C'est les petites boules, c'est pour mettre sur ton sapin. Pour décorer le sapin. Moi, j'ai pas envie de décorer. Oh là là. Comme ça, il est déjà décoré. Le rabat-joie. Il est déjà décoré. T'es rabat-joie. Ça sert à rien. Bah ouais, il est déjà décoré, ça sert à rien. Il comprend un sapin s'il est déjà décoré. Il est vite fait décoré. Il n'y a pas de trop de boules, là. C'était pour ajouter des... Il y en a plein, des boules. Regarde. Bon. Allez, on va aller voir le tour, ce que ça vaut. Le tour de magie. C'est l'heure du Magic Arthur. Alors, c'est quoi ce petit papier? C'est ma prédiction. Ok, ta prédiction de quoi? Ma prédiction de ces cartes-là. Sur ce que je vais choisir? Ouais. D'accord. Tu vas choisir un d'état. Je te regarde pas. Alors, je choisis un d'état. Ok. J'ai choisi celui-ci, monsieur. Pose ton papier de prédiction. Pose-le ton papier de prédiction. Alors...
Vas-y, retourne les cartes. Montre. T'as choisi que des 7. Ouais, j'ai choisi celui-là. Voyons voir ma prédiction. Dis-moi pas que t'avais trouvé ce que j'allais choisir. Le paquet de 7. Oh. Et donc, c'était quoi sur... Non, la page. Quoi? Oui, chérie. Mais comment t'as su que j'allais choisir le paquet de 7? C'est pas vrai. Ça perd l'hypopète, ta prédiction était bonne. Bravo, Magic Arthur! On salue son public, on salue son public. Bravo, bravo. Bonsoir. Il est 21h12, toujours plus. Je vous parlerai du petit gel pailleté, je l'avais sorti pour vous le montrer, parce que sinon je vais encore oublier. Allez, c'est l'heure de l'énigme. Et Arthur a choisi le méga goal, si jamais je gagne. Voilà. Allez. Et j'ai pas fini ma broderie, il me reste quasi plus rien. Donc je vais la finir après l'énigme. Et enfin bref, je suis pas couchée. Alors. 21. 21. 21. C'est une trois têtes de tigre. Vous entrez dans la salle du jugement. Déjà, la salle du jugement, t'as pas envie d'y aller, tu vois. Le nom, rien que le nom. Vous devez reproduire le bateau de nez en utilisant la totalité des pièces sans les superposer. Bah oui, mais... Bah, faut que tu fasses une photo, que t'imprimes, que tu découpes. Non, j'ai pas le temps. C'est l'énigme. Mais j'ai pas le temps. Et ça, c'est quoi? C'est pas un bateau, ça? Bah, c'est le truc que tu dois reproduire, je pense. Vous devez reproduire le bateau de nez. C'est pas le nom pour dire schéma? Parce que c'est pas un bateau, ça. Réussirez-vous ou vous retrouverez-vous prisonnier? Mais c'est facile de ouf, encore une fois. Tu me le prends en photo, tu me le scannes, s'il te plaît. C'est ton énigme, tu te débrouilles un peu. Ah, les guéoles. Regarde l'énigme d'à côté, elle s'appelle les guéoles. Les geôles. Et je vous montre, du coup, voilà. Il faut faire le truc de gauche avec les trucs de droite. En utilisant tous les morceaux sans superposer. Sinon, tu décalques. Il faut découper. Mais c'est tout petit! Vas-y, je vais décalquer. Amène-moi une paire de ciseaux, là, mon ami, s'il te plaît. Ouais, bah oui, je voulais prendre ça, mais... Ah ouais, par contre, ça va être petit, mais c'est pas grave, ça suffit. J'ai le droit de superposer au modèle à côté? Hein? Anatole? Jean-Michou? J'ai le droit de superposer au modèle à côté? Non. Comment ça, non? Ah bah non. Bon, comment ça, non? Ah non. Bah, tout ce qui est là, on peut pas deviner? C'est le principe même. Et bah, donc j'ai le droit de superposer? Non. Ah bah, je vais rien voir, mon petit père. Faut que je mette de la lumière derrière la page. Oh là. Oh, ça sent les emmerdements, cette histoire. Attends, que j'appelle pas quelqu'un. Oh là, non mais c'est ni fait ni à faire. Attendez. La sortie du sable. Non mais je peux pas, je peux pas. Comment je fais? Bah tu fais une photo, tu imprimes, tu te débrouilles. Tu vois, il faudrait tenir comme ça. Vas-y. Bah oui, mais ça va pas être droit. Attendez, est-ce que je peux vous montrer ce que je suis en train de faire? C'est n'importe quoi. Bon, tu m'appelles quand t'as fini de préparer l'énigme. Bon, j'ai pas besoin de toi, je la prépare en 2-2, c'est fini et basta. Ouais, ouais. Vous voyez, là, on voit un peu les formes. Mais le problème, c'est que... Oh là, mais ça va être approximatif. T'es pas pressé? Il ferait jour, je me serais mis devant la fenêtre. Ah, quoique non, bah non, c'est dans le bouquin. Bah si, je suis pressé. Parce que j'ai toujours pas fini la broderie. Après, faut que je finisse le vlog. Après, faut que je fasse le montage. La miniature, tout le tintouin. Oh non, c'est approximatif, les amis. Hein. Je vous le dis, c'est en mode croquis. Hein. Mais ça va suffire. Oh là. Ok. Attends, je bouge un peu la lumière parce que... Mais ça me paraît pas trois têtes de tigre. Ou alors, à moins qu'il y ait des pièges et... Il me reste une forme. Ah non, c'est bon. Voilà, bon, ça va être tout petit par contre. Oh, l'angoisse.
Bon, attendez. De toute façon, je vous filme un peu mes mains, ça sera sûrement plus intéressant que... Ah, tu m'as pas amené les cisailles ? Si j'attends après toi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et tout. Alors, on va garder les chutes pour noter des trucs. Pas sorti du sac, quoi. En même temps, c'est toi qui me fais faire des énigmes. Non, à la moi croûte. Je t'ai donné un livre et des dés. Oui, bah t'as rien foutu quoi cette année. Tout à fait. On va pas se mentir, c'était pas ouf quoi. Non, l'année prochaine, je viens de dire ce qu'on allait faire. C'est quoi ? Qui veut gagner des millions ? C'est quoi qui veut gagner des millions ? Eh ben, mais je viens de te le dire ! Eh, on a... Par du principe que je t'écoute. Mais on a eu la discussion il y a 5 minutes, on non, en a parlé. Quand tu me vois bouger la tête comme ça et faire... Je vais défoncer. Je ne t'écoute pas. Non, ben c'est pas gentil en fait. Parce oui, mais que c'est moi... pour toutes les fois où je t'écoute et qu'en fait tu me parles pas à moi, tu parles toute seule. Arrête, arrête, arrête. Hein ? On en parle de Zinzinette là qui parle toute seule devant son écran ? Ah oui, parce que toi tu parles jamais tout seul par contre. Hein. Bah non, 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 c'est vrai. Donc, j'avais pensé pour l'année prochaine. Je te parle plus à toi là. Ah bah du coup, tu fais bien de prévenir. Genre un espèce, enfin piquer un peu, enfin que Arnaud pique des questions de qui veut gagner des millions. Donc ça serait plus de la culture générale ou des trucs comme ça. Après on verra, hein, je dis ça mais je sais pas. Oh, mon chat, il est rentré par la chatte, tiens, tout seul. Bravo, mon chat. Et que sur tous les 24 jours, j'ai le droit aux 3 jokers, mais pas par jour. Sur tous les 24 jours. Genre, si il faudra vraiment que je réfléchisse pour les utiliser, parce que j'en aurai que 3 pour 24 jours. Et le 50-50, bah, c'est Arnaud qui éliminera 2 réponses sur les 4. L'appel à un ami, bah, j'appellerai soit un de mes proches en live. Hein. Donc, soit j'enverrai un message à Buchette... Enfin, je lui ferai un vocal. Soit, bah, ma sœur, ça dépend. Ma sœur, la pauvre, je... Si ça parle ménage, je peux l'appeler. Si ça parle ménage, je peux l'appeler. Les autres trucs, je suis pas sûre qu'elle trouve la réponse. Après, ça dépend. Mais... après, j'appellerai peut-être plus ma mère. Ou voilà, ça dépend. Donc, l'appel à un ami ou le vote du public. Et le vote du public, bah, au moment où je ferai l'énigme, je pourrais poster une story sur Instagram avec des... Comment ça s'appelle ? Avec un sondage, en fait, avec les 4 choix. Et je... Comme dans l'émission, en fait, comme dans Qui veut gagner des millions, le choix qui ressort le plus, je suis pas obligée de, moi, choisir ce choix-là, mais ça va m'induire, ou non, à donner une réponse. Mais ça sera comme dans Qui veut gagner des millions ? Eh ben. Là, ça veut dire que tu paries tes jeux à gratter jusqu'à un palier, et si tu perds jusqu'au palier précédent tous les jeux à gratter que oh tu as de l'autre côté. Attends, il faudra qu'on réfléchisse à ça, ah je non, sais non, pas. Ah non, c'est pas toi qui réfléchis, c'est si jamais tu parles dessus, c'est moi qui fais les règles. Ça veut dire que je te paye genre 24 jeux à gratter, et on dit, bah tiens, tous les, je sais pas, 6 jeux à gratter, il y a un palier, et... Non. Ouais. Soit ça sera un palier, et du coup tu gagnes... Il a fondu. Ouais. Soit tu perds, et tu perds jusqu'au palier d'avant. C'est-à-dire que potentiellement, t'as 24 jeux à gratter si tu gagnes et que tu fais sans faute. Mais si tu perds... Oh non, c'est horrible, ça. Peut-être que 5 ou 6, quoi. Oh, t'abuses. C'est horrible. Mais ça veut dire que tu peux arrêter aussi de... Qui veut gagner des gratte-gratte. Qui veut gagner des gratte-gratte. Attends, le nom, il est trop bien. Ouais. Qui veut gagner arrêter, des... Ouais. Une journée si jamais tu perds. Bon, non. Ah bah si. Si tu perds le premier oui, mais ça veut dire que je gratte plus le soir. Bah non, si tu perds. Ah bah oui, mais c'est nul, bah non. Non, mais si je gagne... Ah bah non, c'est un... Non, mais si je gagne, je gratte à gratte... Bah oui, bah non, on peut pas faire ça. Sinon, il y a pas... Bah non, mais... Non, mais tu fais les règles de quoi ? C'est moi qui fais les règles. Non, mais on en haut. Oh, tu arrêtes. Perdu. Et quoi, perdu ? Laisse-moi réfléchir. Pourquoi t'es comme ça avec moi ? C'était juste pour te mettre un peu de pression de... Bah non, mais en fait, tu me laisses. Je t'ai rien demandé. J'aimerais qu'on me laisse réfléchir tranquille. Arrête, bébé. Non, mais t'es chiant, là. Bon, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ça me paraît pas si difficile, cette histoire, hein, mais... Ouais, bah on en reparle dans 10 minutes. 10 minutes ? Pas autant, je pense, hein. Mais il me manque un bout, attendez.
Mais non, mais attends. 3, 6, 7, 3, 4... Ben oui, j'en ai que 6. J'ai oublié de couper un bout. Me disais... J'ai oublié... Ah, j'ai oublié de couper un petit triangle. Mais je ne l'ai pas tracé. Ah si, je l'ai tracé. Ah oui, il est là. Bah, qu'est-ce que j'ai... Attendez. Oui, t'as un moyen, deux grands, deux petits. Ah, oh, j'ai oublié de couper un triangle. Ah bah, je risquais pas d'y arriver. On est beau, hein. Mais je sais pas c'est lequel. Mais je l'ai pas tracé. Ah, il est là. Il est là. Oh là là, je l'ai retrouvé. Alors, attendez. Tu me sous-estimes, toi. Hein. Pip, pip, pip. Attendez, je réfléchis. Là, là. Ça y est, c'est fini. Mais deux minutes aussi, toi. Arrête un peu. Attends, si j'ai pas trois secondes pour réfléchir. Je vous aurais laissé afficher, bien sûr, le modèle. Et il manque des bouts, là. Attends, vous devez reproduire le bateau donné en utilisant la totalité des pièces sans les superposer. J'ai 3, 6, 7... 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, il manque pas de bouts. Merde, il manque pas de bouts. Parce que là, c'est presque ça... Ah non, attends. Lui, il va là. Attendez, pousse. Lui... Il est là. Et lui... là. Je pense, mais je suis pas sûre. Ah, ou alors le côté le plus grand? Non. Non, pas le côté le plus grand. Ça se trouve, c'est même pas ce triangle-là qui va là. Ça se trouve, c'est le petit. Ça se trouve, t'as même pas compris l'énoncé. Bien sûr. Toi, tu me sous-estimes vraiment. Je dirais après un petit. Un petit. Quoique je sais pas. Un petit. Un petit là? Non. Attends. Non, c'est un grand. À mon avis, c'est un grand. Quoique non. Ah! Non, c'est un petit, parce que l'autre en haut, bah c'est deux grands après. Ah oui, t'as deux grands et un petit. Donc. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'en haut, de toute façon, c'est un grand. Là-haut, ça doit être un grand. C'est pas très clair pour vous. Ah, ça fait déjà 12 minutes. Bon, je réfléchis. Et je vais mettre le ciseau, parce que la page ne tient pas. Ça tient pas trop. Ah, je vais mettre mon téléphone. Sur le bouquin, je réfléchis et si je trouve, je vous reviens. Il est 21h24. On va voir si j'arrive à trouver, en combien de temps j'arrive à trouver. Je crois que j'ai trouvé. Alors attendez, est-ce que je peux vous prendre comme ça? Alors, donc, ça c'était le truc. Il est 33, je sais pas quelle heure il était. Voilà. Et en fait, ces triangles-là me faisaient chier et le carré me faisait chier. Je savais pas où les foutre. Et en fait, je me suis dit, le triangle, il est grand quand même. Et les miens n'étaient pas si grands. Et en fait, bah, en les mettant côte à côte, ça fait un grand triangle. Une fois que j'ai mis ces deux-là, c'était bon. Lui, il fallait un petit triangle pour faire la petite forme. Ensuite, lui, je savais qu'il était là, l'espèce de trapèze. Parce qu'on voit la forme là, tac tac. Donc lui, c'était quasi sûr. Et ensuite, il y a, pour combler le trou, le petit triangle. Et la forme là, c'était le carré et le petit triangle. Le carré et le petit triangle. Mais attendez, parce que je sais pas si c'est ça. Mais je vois pas. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ça, c'est trois têtes de tigre. J'y crois pas. J'y crois pas, ils ont mis les niveaux avec le fion. C'est quoi? 180. Oh non, je me suis trompée! Non. Je peux pas y croire. Mais moi, ça marche aussi. Mais moi, c'est exactement la même forme. En fait, vous avez vu ce que j'ai fait? En bas, j'ai mis le petit trapèze à droite et le petit triangle à gauche. Et eux, ils ont fait le contraire. Ils ont mis le trapèze à gauche et le triangle à droite, mais sauf que ça fait la même forme. Ça fait la même forme. On va essayer de le remettre dessus, tu verras si c'est exactement la même forme. Bah, on va pas vraiment voir. Non, sur attends. Le truc de gauche. Mais non, je peux pas, c'est pas du tout de la même taille. Comment ils... Attends, comment ils ont mis?
Ça y est, je suis pété. C'est ça, tu peux être sûr que tu l'as découpé dans le mauvais sens. Je l'ai découpé comme je l'étais coupé. Il va pas comme ça, il va comme ça. Ah, bah oui, mais bon, je sais plus, moi, après... Ah oui, mais du coup, t'es pas oui. La bonne pièce, du coup. Oui, mais attends, c'est, ça, j'ai trouvé la bonne forme. Tu m'as pas mis la bonne pièce. Non, bah si, je l'ai mis... Non, mais bébé... Elle était pas dans le bon sens. Stop, bébé, arrête. C'est pas moi, hein. Bah non, mais attends, ça m'a fait exactement la même forme. Juste en interchangeant les deux du bas. Bah non, 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 là, c'est dégueu. Je suis désolée. Je me suis décarcassée pour trouver... Tout ça parce que non, 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 je suis désolée. Déjà, j'ai dû décalquer, j'ai fait l'effort de décalquer. Rien pour ça, je devrais pouvoir gratter le méga goal, tu vois. Ah ouais, mais non, c'est pas la bonne. Non, arrête, bébé, tu peux pas me faire ça. Non, non, je suis désolée, c'est non, je gratte. Non, mais moi, c'est bon. Là, c'est, je me rebelle. C'est moi qui gratte. On est le. Non, non, on est le 15 décembre. Ah non, bébé. Ah non, non, non. C'est hors de question, ça faisait la même forme. C'est-à-dire qu'il y avait deux choix. Non. Non, c'est faux. Il y avait deux possibilités. Ah non, t'as mis la pièce à l'envers pour qu'elle rentre. Non, mais ah, bébé, j'ai pas vu que c'était comme ça. J'ai pas fait exprès de la mettre à l'envers. Je pensais que les deux côtés c'était pareil. C'est rip. Non, c'est pas rip. Je me donne le gratte. Tu me donnes une pièce. Non, bébé, ça se fait pas. C'est pour Arthur, du coup. Mais non. Mais Dieu. On verra. S'il est perdant, c'est pour Arthur. Allez, vas-y, ça c'est va bon. C'est vert. Non, mais c'est. Vas-y, c'est bon, c'est pour Arthur. Allez, donne. T'es pas gentil. T'es pas gentil parce que ça faisait le même schéma. Enfin, le même. Branle, gratte-le ton truc. Non, non, c'est bon, là. Non, 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 moi je me suis décarcassée pour trouver. Ça faisait la même forme, c'est pas de ma faute s'il y avait deux propositions possibles. Oui, moi je l'ai mis en miroir, mais je savais pas, j'ai pas fait exprès. Bah ouais, mais. C'était pas genre un coup de filou pour que ça rentre, tu vois. Bon. Gagner jusqu'à 750 000 euros. Si je gagne les 750 000, je le dis à personne, je vais encaisser mon truc. Non, je rigole bien évidemment. Allez, on va prendre la petite rouillée. Peut-être que la petite rouillée, comme elle est toute petite, elle va nous apporter richesse. Alors, bon, j'espère que vous êtes quand même un peu fiers de moi, même si je me suis trompée sur les deux du bas, mais je les ai juste interchangés parce qu'en fait... mais en fait, c'est la même chose, c'est juste que le trapèze... j'ai pas fait attention que je l'avais mis en miroir, en fait. Mais du coup, c'est le résultat est le même, parce que s'il est en miroir, bah t'as juste à échanger le triangle et le trapèze pour que ça fasse la même forme en bas. Et si tu le mets à l'endroit, t'as juste à interchanger le trapèze et le triangle, donc... Ça va, j'ai gagné. Alors, grattez les 11 maillots. Si vous décorez 3 sommes identiques, vous remportez cette somme. 20 euros. Je ne dirai pas non. À 20 euros, personne ne dirait non à 20 euros. 40 euros. Alors là, ça serait encore mieux. Ça serait vraiment bien. Oh, 20 euros. Si on a un troisième 20 euros, on a déjà 20 boules. Ça serait énorme. J'y crois pas, mais voilà. 100 boules. Ah bah, 100 boules... Sans boule, c'est la fête. Hein. C'est... Je me mets à poil et je cours. Je vais sur la nationale et je cours. Hein. 10 boules. 10 boules, 10 boules, c'est déjà bien aussi. Donc on a 2 20 boules, 1 40, 1 10 et 1 100. Un 10 000. Alors là, je sais même pas ce que je ferai. S'il y a deux autres 10 000, bon, faut pas rêver, mais voilà. 1000. 1000, ça serait énorme. Il nous reste 4 maillots. 40, donc on a 2 40, 2 20. Et les autres, on les a qu'une fois. Donc si on a un autre 40 ou un autre 20, c'est la fête. 50, aïe aïe aïe. Allez, plus que 2 t-shirts. Donc on joue pour les 40 et les 20 pour l'instant. 100. Et plus qu'un t-shirt. Donc, il faut que ça soit absolument soit un 20, un 40 ou un 100. Ça sera aucun des 3, je vous spoil tout de suite. Et c'est 500, voilà, c'est aucun des 3. Aïe, aïe, aïe. Jeu 2. Pour chaque ligne horizontale, si vous découvrez 3 symboles identiques, vous remportez le gain associé. Vous pouvez cumuler les gains, et si vous découvrez le symbole coupe, c'est direct 40 boules. Direct. Alors, première ligne, on a un but. On a une chaussure. Je fais un peu de suspense. On a un chrono. J'aimerais bien la petite coupette, parce que 40 boules... On a un sifflet. Bon, on n'en a même pas deux identiques pour l'instant. On a le podium, donc cette ligne-là est déjà foutue. Et là, c'était le gant. Enfin, je gratte quand même, parce que si on a la coupe, on ne sait jamais. Deuxième ligne, le but. La chaussure. Le chrono. Exactement pareil. But, chaussure, chrono. Pareil que la ligne d'avant. Le sifflet. Aïe, 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 aïe. Le gant et
le podium. Je sens que ce ticket va être perdant. Et c'est un ticket de 10 boules. Ça fait un peu mal aux fesses. La chaussure. Le gant. Le podium. Le but. Le sifflet. Oh là 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 là. Et le podium. Mais on n'en a que 2 podiums. Et pas 3. C'était pour gagner quoi ? 50 boules. 100 ou 20. Bon, ils auraient pu nous donner 20. Ils abusent un peu. Le dernier jeu, après on a le bonus. Le dernier jeu, tu grattes toute la cage de but. Et si tu trouves des ballons, tu gagnes les sommes. Un ballon 10 euros, 2 ballons 20, 3 40, 4 ballons 100, 5 500, 6 1000, 7 ballons 10 000 et 8 750 000 qui est le maximum de ce ticket. Allons à la recherche des ballons. Le fanion. Le supporter. On est mal. Un ballon, un ballon. Le carton rouge. Le short. On veut des ballons, nous. Au moins un pour 10 boules. La médaille. Aïe, 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 aïe. Le corner. La trompette. Le maillot. Le score. Oh là là. Pas un ballon. C'est fou. La gourde. Le drapeau et le terrain. Pas un seul ballon. Notre dernière chance, c'est le bonus. S'il y a une somme en dessous, on la gagne. 10 boules ! Oh, 10 boules ! Oh là là, ce cliffhanger, 10 boules dans le bonus. Oula, excusez-moi pour cette vue. 10 boules dans le bonus. C'est 10 boules pour Arthur, bébé. Mais gardez pour toi. Bah non, c'est bon, c'est pour mon fils. 10 boules. Alors que j'avais trouvé, mais bon. Mais garde-les, putain! C'est pas grave, c'est pour mon fils, même s'il est plus riche que moi. C'est pas grave. 10 boules! Je suis trop contente. Et c'était vraiment, sur la fin, le retournement de situation du méga goal. Le ticket est remboursé, c'est déjà pas mal. Bref, le petit gel pailleté, j'y pense. Avant d'oublier, justement. Donc, je l'ai eu sur le site de la marque Bis. C'est une petite marque pas chère où vous avez plein de trucs vraiment pas chers. Plein de produits vegan non testés sur les animaux. D'autres qui ne le sont pas, mais vous en avez plein de vegan pour ceux qui, pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment des petits trucs make-up pas chers. J'ai pas mal de liner doré, des choses comme ça. Et en fait, vous êtes plusieurs à chaque fois à me dire que mon fard à paupières est très beau, mais ce n'est pas un fard à paupières. Bon, là, mes sourcils ne sont pas faits et tout, mais c'est... Je sais pas si on voit. C'est vraiment des paillettes. Donc ça, pour les fêtes, enfin moi, je mets tous les jours, mais pour les fêtes, c'est trop bien. Donc là, bon, en fin de journée, vous allez en avoir un petit peu qui vont commencer à descendre. Bon, après, moi, je m'en mets dans le coin, là. Je m'en mets une petite goutte dans le coin et après, j'en mets au-dessus. Mais en fin de journée, vous allez en avoir un peu qui descendent. Par contre, ça sèche très rapidement et ça tient bien toute la journée. Voilà, à part vraiment, comme je vous dis, quelques-unes qui vont tomber, mais c'est pas très grave. Je veux dire, ça tient largement une journée, donc une soirée, c'est parfait. Et vous voyez, vous avez des petites et des grosses paillettes, c'est magnifique, moi j'adore. Et voilà, du coup, je sais plus le prix, c'était vraiment pas cher du tout. J'essaierai de vous mettre le lien du site et le lien du produit, ou le lien du produit directement, comme ça après vous pouvez aller voir sur le site. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est très facile, alors je le mets avec le doigt, c'est très facile. Je vous donne la référence, 402 Flickr. Et en fait, t'as tellement pas besoin d'en mettre que mon truc, il est encore blindé, en fait. Vous voyez ? À peine j'appuie, il sort direct. Il est encore plein à ras-bord. Parce que je vais vous montrer pour un œil ce que vous avez besoin de mettre. Bon là, juste, tant pis, c'est pas grave. Allez. Vous avez besoin de mettre que ça pour un œil. Voilà. Donc il ne faut vraiment pas appuyer du tout. La première fois que j'en ai mis, j'ai fait l'erreur. J'ai mis une grosse goutte et je ne savais plus quoi en faire. Donc après, j'en avais mis un peu dans mon cou et tout pour faire joli. Mais ça, vous mettez... C'est même pas une noisette. Hein. Vous mettez juste ça pour un œil. Et vous allez en avoir largement assez. Et du coup, je vais vous montrer sur ma main. On dirait que je vous fais du téléachat. Mais j'ai tellement reçu de messages, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Regardez-moi cette merveille. Voilà, je l'ai juste étalé. Alors après, avant que ça sèche, vous pouvez étaler un petit peu plus et tout. Mais vous voyez, c'est vraiment un gel pailleté. C'est pas un fard à paupières, c'est du gel avec des petites et des grosses paillettes. Hyper brillante, elle capte la lumière, mais un truc de fou. Et je trouve ça trop, trop, trop joli. Et après, vous pouvez plus ou moins étaler. Si vous souhaitez, hop, étaler un petit peu plus, je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà.
Si vous étalez un peu plus. Et vous voyez, ça, vous avez largement assez pour une paupière. Voilà. Donc celui-là, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si la compo est vegan, mais en tout cas, c'est approuvé par la PETA. Donc, non testé sur les animaux, vous voyez. Il y a le petit logo. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on ne voit rien puisque le truc est assis là, on voit. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous dit. En tout cas, voilà, j'ai répondu à votre question. Il est magnifique. Je suis complètement fan. Hein. Voilà. Bref. Et c'est bien sûr ce que je vais mettre à Noël. Hein, avec. Oh, mais regardez. Arnaud regarde un stream. Voilà. Et oui, Arthur, avec son remplaçant, son prof remplaçant cet après-midi, ils ont fait des origamis. Du coup, il a fait plein de cœurs. Il a fait plein de cœurs en origami en rentrant à la maison, nouvelle passion et tout et tout. Ça se peut que du coup, le Père Noël ait entendu ça et qu'il y ait un petit bonus sous le sapin. Peut-être un livre avec des feuilles d'origami, je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Et du coup, il en a fait pour tout le monde. Et il en a même fait un pour Oli. Je vais vous montrer ça. Et après, je vais aller terminer ma broderie quand même. Ça serait bien. Oula, je vous ai fait un tour gratuit. Attendez. Oh, j'adore ce gel. Bon, là, je l'ai depuis ce matin, 8h. Donc, voilà. Et, oula. Voilà, il lui a posé ici. Et il nous a dit qu'il... Bon, c'est les débuts des origamis. Hein, c'est pas très droit. Et il a dit qu'il lui avait fait dans ses couleurs, blanc et rouge. Et bon, il a écrit H-O-L-I-E, alors que c'est deux L-Y, mais il lui a mis là pour qu'elle le garde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, ça se peut qu'Oli fasse un petit cadeau en rapport avec ça, mais je sais pas si elle va avoir le temps, parce qu'elle a beaucoup de trucs à faire, Oli, ce soir, je suis sûre, et qu'elle aimerait bien se coucher pas trop tard. Voilà! Bref, allez, c'est parti, je vais finir ma broderie. A tout de suite. Oh bah tiens, j'ai un fil. Bonsoir. T'arrêtes. Il m'agace. Fais attention. Si tu sors les dossiers sur moi, je peux sortir les dossiers. 22h57. Ils n'ont pas fait le montage, du coup. J'ai fini ma case broderie. J'ai pris la petite photo. Le thé est infusé. Il est en train de refroidir. Enfin, c'était pas un thé, c'était la tisane de Noël. Ah bah, j'ai pas ramené le papier, tisane de Noël. Et le petit chocolat, personne n'a osé le goûter. D'entre nous trois, donc c'est moi qui vais le goûter ce soir. Voilà. Et la case, alors, j'ai deux cases à vous montrer. La case d'hier soir, parce que je l'avais fait en live, donc j'avais pas pu vous la montrer à la clôture du vlog. Et la case du jour. Alors, hier soir, je crois que c'était le dessus de la luge. Non. Oh, merde, je sais plus. Oui, je crois, hein. C'était le dessus de la luge, qui rend super bien, je trouve, là, cette case-là. Et aujourd'hui, c'était celle-ci, le bas, vous voyez, le nœud, hop, le nœud avec le bas de la couronne. Voilà, et donc de loin, je trouve qu'elle rend trop bien, on commence à bien voir les détails, malgré que ce soit une 30-40, je trouve que ça rend super bien, la petite neige sur la luge et tout, je la trouve magnifique. Voilà, je suis trop contente. Et la case de demain que je vais faire après mon montage, parce que je pense qu'il sera minuit, si je ne vais pas me coucher avant, je suis épuisette. On sera donc le 16, et ah oui, je retourne dans la neige, c'est ce que je m'étais dit. Là, je retourne un peu l'écharpe et un peu de neige, donc ça va vraiment changer des couleurs des deux derniers jours, où là j'étais vraiment rouge-vert, et là ça y est, on repart un petit peu dans le blanc, gris, noir, etc. Voilà, hop, ça c'est fait. Et la broderie, donc je vais vous la montrer. Elle était un peu chiante. Franchement, j'ai pas pris plaisir. Ah oui, et j'ai fait une erreur, donc il faut que je vous explique. Mais une erreur qui n'est pas très grave et qui, si je vous la montre là comme ça, hop, vous n'allez pas la voir. Donc c'est ce petit oiseau. Je vous le montre et après je vous explique ma petite erreur. Hop, petit oiseau avec son petit bonnet. Des petites baies là en haut et une espèce de... Enfin, deux branches de sapin sur le bas et le numéro 15. Très mignon, un peu relou à faire. Pas compliqué, mais un peu relou. Mais très mignon. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, je m'en suis rendu compte bien trop tard. Je m'en suis rendu compte, j'avais déjà fait toute la tête. J'en étais même à la queue, donc tout ça était fait et j'en étais là. Et en fait, il aurait fallu... c'est pas un truc que je pouvais rattraper comme ça, il aurait fallu que je réenlève tout.
Sauf que j'avais déjà passé plusieurs heures, donc c'est mort. Puisque le numéro est bien placé, pas d'erreur. Les petites baies sont bien placées, il n'y a pas d'erreur au niveau du cadre. La marge en haut, là, tout est bien placé. L'oiseau, au niveau de la marge à droite et à gauche, il est bien placé, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il est quand même bien centré. Par contre, en commençant le pompon en live ce matin, mais à mon avis, c'est parce que j'étais en live, c'est pas, enfin, c'est de ma faute à moi, c'est parce que j'étais distraite. En commençant le pompon, j'aurais dû le commencer une rangée plus bas. Puisque sur le diagramme, on voit par exemple que là, les deux petites croix blanches, elles sont pas alignées avec les deux petites croix rouges d'en face, elles sont décalées d'une ligne. Enfin, elles sont remontées d'une ligne, en fait. J'aurais dû... Enfin, tout le petit piou-piou aurait dû être remonté d'une ligne. Enfin, d'une rangée, quoi. Ce qui fait que ça se voit au niveau de la baie, puisque normalement, je devrais avoir que une croix blanche en face d'une croix rouge et la deuxième croix blanche ici, en face de ces deux-là. Et ça se voit du coup en bas, puisque je suis donc une case trop bas, c'est-à-dire que là on voit qu'il me reste entre le cadre, le blanc du cadre, et la branche de sapin, il n'y a qu'une rangée de ma toile, vous voyez, alors qu'il devrait y en avoir deux. Vu que je suis descendue une rangée plus bas. Voilà, mais sinon tout est bien centré, la baie, le numéro, droite-gauche il est bien centré, il y a le, voilà, il est juste, j'aurais dû le monter d'une rangée et commencer une rangée plus haut. Voilà, mais en soi, ça ne se voit pas, et si on ne le sait pas, voilà. J'aime pas avoir des erreurs, mais là, j'étais trop loin, en fait, j'étais trop avancée, si j'avais vu avant, mais j'aurais recommencé, mais là, non. Donc, voilà, en tout cas, cette case était très jolie, celle de demain, j'ai très très hâte, parce que je pense que le résultat va être magnifique. Je vous montre quand même ce que ça donne pour l'instant. Voilà, on s'approche de la fin, mine de rien, les couleurs sont magnifiques. Et demain, on finit une nouvelle rangée. Ça va trop trop vite. Et le modèle de demain, pour ceux qui ont oublié déjà, c'est la petite maison en biscuit, un peu pain d'épices, comme ça. Donc il y a beaucoup de croix, mais très peu de changements de couleur. Et c'est des formes géométriques, assez carrées, rectangles, etc. Donc je pense que c'est pas un truc où... Voilà, par exemple, l'oiseau, fallait que je fasse attention, parce qu'il y a pas mal de ranger par exemple avec 7, 6, 5, 4, 3, des décalages, là faut laisser un trou, là faut changer de couleur, là machin, tandis que là c'est vraiment un bloc avec quelques formes géométriques, quelques changements de couleur, mais je pense que ça va être assez simple, et c'est cool, je suis très contente. Voilà, voili voilou, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah bah le chocolat, on va déguster le chocolat et après on goûte la tisane. Donc, c'était truffe au cappuccino, quelque chose comme ça, je sais plus. Et ça sent le café. J'ai peur que ça soit coulant dedans. C'est coulant. Ah ! Oh ! Oh, je m'attendais pas à ça ! C'est vraiment... C'est comme de la confiture. Je sais pas si vous voyez. C'est une crème, en fait. Tu es fou. Je réfléchis avec moi-même. Si, c'est bon. J'achèterai pas une boîte de chocolat comme ça. Ça sent quand même pas mal le café, donc si vous aimez pas le goût du café et de tout ce qui s'en rapproche... C'est la crème dedans, en fait. Crème un peu café, comme ça. Ouais, c'est bon. Moi, j'aime bien le café, donc... Très bon. Fort en goût pour ceux qui n'aiment pas le goût du café, mais très très bon. Je suis tout becquetée, du coup. On va goûter la tisane. Demain, j'ai live que le soir. Donc... Je vais espérer bien avancer dans la broderie le matin, parce que j'aimerais faire un bon coup de ménage demain, de rangement slash ménage, pour avoir samedi que
la serpillère à passer. Alors, c'est pas le bon, forcément le bon temps pour passer à la serpillère, parce qu'avec des animaux et tout. Et le temps qu'il fait dehors, gadou, gel, machin. Autant dire que 2 heures après, la maison est dégueulasse. Mais il faut quand même le faire. Mais comme, du coup, pour aller au marché de Noël, voir Arthur chanter et tout, samedi, y a ma belle, enfin, il y a mes beaux-parents, plus ma belle-sœur, je crois, qui viennent. Je veux quand même que ça soit fraîchement propre, le sol. Et du coup, je veux tout demain après-midi ranger, machin, aspirateur et tout, et n'avoir plus que la serpillière samedi à faire. Voilà. Parce que samedi, il faudrait aussi qu'on emmène Arthur avant le marché chez le coiffeur. À mon avis, c'est on va chez un coiffeur sans rendez-vous. Mais je pense que demain, ça va être blindé. Ça va être blindé parce que on est à une semaine de Noël, quasiment. Hein. Et bon. Ah non, on est à 10 jours. 9 jours, oui, bon, en gros, grosso merdo, on est à une semaine de Noël, donc à mon avis, ça va être blindax. Mais bon, on va essayer. Allez, la tisane, assez blablaté. Ça sent très bon. Ça sent l'odeur de le thé de mémé, comme je dis. C'est de la buée. Mmh. Mmh. Oh, avec encore un petit peu le goût du chocolat dans la bouche, là, c'est trop bon. On dirait une vieille avec son châle, comme ça. Elle est trop bonne, elle est trop trop. Mais je crois qu'on l'avait déjà eue. Hein. Mais elle est trop trop bonne. Elle a vraiment un petit goût. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais on sent clou de girofle un petit peu. On sent un peu les épices que j'aime pas normalement. Mais c'est léger. Le goût est, bah c'est une tisane, donc le goût est assez léger. Elle est jaune pastel. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais c'est où ? Elle est jaune pastel. Et le goût est très doux et pas fort du tout. Enfin, très bon, très très bon. En tisane, je pourrais racheter. Vraiment, je pourrais racheter en tisane parce que c'est le truc que tu peux boire à n'importe quel moment. C'est très appréciable le soir. Le matin, c'est pas trop un truc qui va te réveiller, qui va te booster, mais c'est plus un truc cocooning du soir. Ou de l'après-midi s'il neige et qu'il pleut dehors, qu'il fait froid et tout. Très très agréable. Voilà, je valide. Allez, sur ce, je crois que je vous ai tout montré. Vous allez voir que ça se trouve, quand je vais couper, je vais dire « Ah, n'oubliez de dire ça !» Mais non, j'ai pensé au gel, les calendriers. Non, ça devrait aller. Et puis, bah, je vais essayer, si j'ai le temps, de faire de voir si Oli elle a le temps de faire quelques petits origami pour demain, la bêtise. Si c'est pas ça, c'est que j'ai pas eu le temps. C'est qu'Oli n'a pas eu le temps. Bref, allez, je vous laisse, je vais faire le montage. Des gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Et demain. Ah oui, c'est le dernier jour de l'école. Ah oui, demain matin, faut pas qu'on oublie d'emmener les petits. Je vous avais montré les petits sachets de bonbons pour les copains et les copines d'Arthur. Et on a pris 2 boîtes de chocolat pour le maître et le directeur. Donc voilà. Bref, des gros bisous. À demain. Bye bye.